Salut tout le monde, c'est Chacha de la chaîne Freestyle. Et donc, cette vidéo elle est peut-être un peu random, mais bon, quand même, on est quand même bientôt aux 1500 sur ma chaîne, donc je me dis que ça intéresserait peut-être quelques-uns parmi vous que je vous raconte la situation présente. Aujourd'hui, on est le 25 mai et demain, il y a les qualifications du championnat d'Europe féminin. 2018. L'équipe qui gagnera les qualifs ce week-end représentera la Norvège. L'année dernière, avec mon équipe, il y avait aussi les qualifs et on a gagné. On n'était pas les favoris et favorites et on a gagné et on est parti en Chine. Une expérience incroyable et du coup j'ai encore plus envie de revivre ce truc. C'est pas du tout gagné d'avance, on va rencontrer... Ok, en fait je voulais vous expliquer comment se passent les qualifs pour les femmes et pour les hommes, c'est pareil. Et donc cette année, comme l'année dernière, on est deux équipes qui se sont inscrites. C'est vraiment un chiffre ridicule, mais voilà, il y a beaucoup moins de joueurs en Norvège, les deux joueuses surtout. Il y a 12 équipes, donc entre guillemets, il y a 50% de chances de gagner. Et donc comment ça se passe les qualifs, c'est que vu qu'on n'est que deux équipes, on va rencontrer cette même équipe maximum 9 fois. Donc, en fait, on commence d'abord le premier jour avec 4 matchs, et le deuxième jour, encore 4 matchs. Donc en tout, ça fait 8 matchs. En gros, c'est la première équipe qui a 5 victoires. Donc si, par exemple, dans le plus beau des scénarios, c'est qu'on gagne demain les 4 premiers matchs et le lendemain le premier match. Donc 5 victoires d'affilée. Comme ça, on a fait 5 matchs. Hop, on part à Palavas les Flots et on fait le championnat. Alors, mais par exemple, si nous on gagne 4 matchs sur les 2 jours et l'autre équipe pareil, bon, il y aura entre guillemets... il y aura une finale en fait. Donc ça sera le 9e match et bien sûr les gagnantes seront qualifiées. Voilà. Depuis 2 semaines en fait, 3 semaines, je sais pas si c'est quoi le stress ou je sais pas, mais j'ai vraiment galéré. Voilà, donc en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais genre j'ai perdu toutes les souplesses, tout. J'ai mal tiré, mal pointé. Pas très marrant. Heureusement, depuis 3 jours, j'ai retrouvé un truc qui m'aide vraiment. Je me sens beaucoup mieux parce que j'arrive à gérer mon jeu. Franchement, je me languis vraiment de jouer demain. Donc j'espère vraiment, s'il te plaît, voilà, que ça va bien se passer. Enfin, vraiment, parce que sinon... bon, j'arrête. Mais voilà. Et... du coup, moi je vais faire tireuse demain, ça je trouve ça chouette. Et je vais jouer avec des MS anti-rebond, que j'adore vraiment. Je les ai depuis, ça fait presque un an, et bon, elles commencent à être un peu usées, mais elles sont toujours très bien. Donc, Inch'Allah, s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi pour demain. Donc voilà, c'était juste un petit update et je vous tiens au courant, bien évidemment. Franchement, merci à tous vos commentaires et vos pouces bleus. Bravo, see you later and wish me luck. Est-ce que j'ai gagné, oui ou non? Allez. On a gagné, on va partir en France. Hi coach. Ah. Mes 20. Gratis. Il faut absolument que vous fassiez la victoire. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis heureuse. C'était très dur aujourd'hui. Très dur. On fait pour ouvrir. Mais sur le côté, tu dévisses. Mets pas ta tête au-dessus. J'ai fait trop de carreaux, j'ai plus de force. Mets pas ta tête. Et il boit vite au goulot. Bref. Donc je voulais vous expliquer la journée, enfin les 2 journées. Donc en gros hier on a gagné 3 matchs sur 4, donc c'était vraiment la classe. Et aujourd'hui en fait on a gagné le premier match, donc on était à 4 matchs, donc il nous manquait encore un match. Et du coup le match après on s'est pris une branlée, et parce qu'on n'était pas dedans en fait, on était
Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, aujourd'hui, c'était la cata. Mais on a gagné. Et on a finalement, après, on a gagné le cinquième match en beauté. Donc, santé. Et un truc marrant, c'est que quand on a gagné, j'ai été sélectionnée pour faire un test antidopage. Ils m'ont dit qu'il fallait que je pisse dans un gobelet. Enfin, mais la meuf, je suis aux toilettes, elle me regarde pisser, quoi. J'arrivais pas à pisser. J'ai mis une heure, pour faire 9 mg. Et t'es allé combien de fois aux toilettes? 5 fois. Bravo, Chachat, qui est qualifiée pour la finale des championnats d'Europe en France en septembre. La finale. Pour la finale, les championnats de... Ouais, ça va. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que Chacha, elle va tout déchirer. Ah.